Salut, c'est Fonfon Sompi, je suis Télé 50 ici à Kinshasa. Merci de regarder People du Bled. Bonjour, je m'appelle Fonfon Sompi, je suis chef du desk culturel. Je travaille à la chaîne Télé 50. Je suis journaliste, animateur, producteur d'émissions à caractère culturel. J'ai débuté il y a une quinzaine d'années. Pas débuté ici, j'ai débuté en province dans une chaîne qui s'appelle RTOP TV. C'est la chaîne du gouverneur Ngoué Kassanji à Mbujimayi. Et de là, je suis venu il y a 10 à 7 ans que je suis venu m'installer à Kinshasa et à Télé 50, ça va faire 5 ans. Le moment qui m'a marqué, c'était lors des 80 ans de Lutumba Simaro. En fait, j'ai été choisi par les organisateurs pour le maître des cérémonies de cette soirée. C'était quand même un peu touchant pour moi parce que présenter sur scène quelqu'un comme Lutumba Simaro Massia, c'est pas donné à tout le monde. Cette icône de la musique moderne du Congo, quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays, parmi une de mes plus belles prestations sur scène, quoi. Voilà. Journaliste, il récolte l'information. Avant de la diffuser, on doit d'abord la checker et tout. Aujourd'hui, on a un sérieux problème parce que on n'a plus beaucoup de professionnels dans les métiers. L'actualité, maintenant, c'est d'abord les 2 ans de Papa Wemba, qui est parti il y a de cela 2 ans. Actuellement, la ville de Kinshasa est un peu prise en étau avec plusieurs festivals par-ci par-là pour immortaliser l'homme. Bon, en fait, il y en a autant. Il y en a autant, mais vous m'avez demandé 3 seulement. Je citerai Jacqueline Dalla, qui m'a émerveillé avec ses prestations à l'époque. Il a animé l'un des plus beaux, la plus belle saison de Vodacom Superstar, je sais plus, mais en Best of Best, je sais plus. Jacqueline Dalla, vraiment un bon. Kibambi Chitwa. De Papa Kibambi parce qu'il a du charisme. Moi, j'aime bien sa façon de faire. Et à l'extérieur du pays, il y en a aussi autant. Mais je prendrais bien Cyril Hanouna de Touche pas à mon poste. J'aime bien son énergie, ce qu'il dégage sur le plateau, sa manière d'animer son plateau, ses invités, voilà. Alors, lire, sport, soirée mondaine, dissertation. poche pleine, bain de foule, cheval. Coupe d'Afrique des Nations. Généralement, je pose des questions dans le questionnaire.